Ah, ton premier contact local, ok, pas de problème. Alors, pour indication, j'ai monté l'antenne complètement à l'arrache parce que je suis sur un site qui est quand même assez, où il y a pas mal de monde. Je suis sur le Pico del Ingles à 960 mètres d'altitude en face du TID au-dessus de Santa Cruz sur le parc national biologique d'Anaga. Anaga, ok, Michel? Alain, est-ce que tu es toujours là? Voilà pour le site du jour. Alors, c'est un petit peu compliqué d'installer l'antenne parce qu'il y a pas mal de monde. En fait, pas mal de visiteurs ici. Voilà, pas des centaines de personnes, mais bon, ça vadrouille un petit peu au regard de la vue. Donc, parc national d'Anaga, sur le nord de Tenerife, juste en face du TID, là-bas, un petit peu dans les nuages, parce que c'est vrai que la zone nord, comme vous pouvez le voir, est très. Enfin, il y a beaucoup de verdure, c'est très humide. Donc, franchement, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir un temps correct. Bon, il y a quelques remontées de nuages, là, comme vous pouvez le voir. Mais franchement, c'est un site exceptionnel et. Comme je l'envoyais par photo là à certains de mes amis et à la famille, on se croirait franchement sur l'île de la Réunion, au-dessus de la plaine des Cafres ou voilà dans ce secteur, du côté du Maïdo. Franchement, c'est magnifique, hein. Je vais essayer de rechoper Michel. Michel? On va attendre quelques minutes, voilà. J'ai réussi à installer l'antenne un petit peu à l'arrache parce qu'il n'y a pas beaucoup de prises ici. Il y a juste un petit, comment dire, un petit promontoire. Voilà. Et je vais aller faire le tour là, si vous voulez, en attendant Michel. Ok, tu es 58. 58 ici, bah, c'est super, hein, je t'entends très très bien. J'étais en train de faire un petit panorama en t'attendant, Michel. J'espère que tout va bien. Le bonjour à la maison, 73, je te reçois 57 ici, ok? Ok, bah comme je le disais, hein, tu peux immortaliser le QSO parce que depuis 15 ans, c'est le premier QSO avec un Français local. Premier QSO local. Ouais, ah bah alors ça, c'est marqué dans les tablettes. Hein. T'inquiète pas, je vais transmettre sur Arnaud dans la foulée parce que je suis devant son ordinateur, là-bas il est au boulot. C'est plus la même musique là. Je t'entends, bah alors vraiment l'antenne est hyper sélective parce que je t'entendais, t'étais un peu trop sur le côté. Et quand je me suis remis sur toi, mon vieux, là t'arrives ici 57, 58 aussi également là, ok? Ok Michel, avec grand plaisir, 57-58 ici. Bah franchement, le site est exceptionnel. J'étais prêt à retourner. Et puis je me suis dit, bon, oh, c'était pas évident, il y avait pas mal de monde. Et je me suis dit, je vais essayer de trouver un point d'ancrage pour l'antenne, ce qui n'était pas évident. Parce qu'au-dessus du Mirador, là, je vais aller faire un petit tour pendant 30 secondes. Je te laisserai pour montrer la vue un petit peu ben, aux personnes qui seront derrière. Et franchement, le point d'ancrage de l'antenne n'était pas évident, là, ok? Qui t'appelle en pagaille là. Fred, tu me promets que tu t'arrêtes sortie 32 hein, quand tu repasses par là. On descendra, nous on te demande pas de monter, on ira te saluer directement sur la sortie 32 là, ok? Ouais, ok, écoute, je te redis ça. Au programme, attends, ouais, j'irai peut-être quand même à la Gomera et puis peut-être faire un petit peu de plongée là. Donc, je devrais retourner dans le sud peut-être jeudi ou vendredi. Mais je vous tiens au courant, c'est promis, ok? Ok, quand tu sors sortie 32, tu repasses sur l'autoroute et on t'attend à la station parce que là on ne peut pas trop stationner, là c'est souvent un contrôle de police, là, ils contrôlent beaucoup là dans ce petit carrefour. Quand tu sors, quand tu arrives, tu tournes sur ta gauche, tu as la petite station, on t'attendra là. Ok Fred? Ouais, ok, bon, on se prendra un petit café ou une petite cerveza.
Et puis t'inquiète, voilà, on y arrivera. Mais je te retiens au courant parce que côté timing, tu vois, j'ai des journées qui changent complètement. Je devais pas être là aujourd'hui. Je devais visiter la ville qui est en face de moi, San Cristobal de la Laguna, toute la journée aujourd'hui. Puis en fait, je l'ai faite hier soir, ce qui était très beau de nuit. Et ça m'a permis de gagner une journée en fait, parce que hier j'étais sur Santa Cruz, de pas passer, on va dire, ma vie en ville. Et là aujourd'hui, je suis sur le parc national d'Anaga en visite, donc sur deux sites sur l'extrême nord. Voilà, visiter la montagne et puis le bord de mer le plus sauvage côté nord là, ok? Sur l'autopista, et nous, tu sais qu'on est à 5 minutes hein, d'en bas, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ce serait dommage qu'on ne se resserre pas la pogne avant ton départ. Même si tu restes encore quelques jours derrière, mais ça t'évitera de remonter dans le nord. Ok, Fred, merci. Et bien, écoute, oui, t'as fait plus de route que moi, t'as visité plus que moi en 15 ans. Hein. Mais nous, maintenant que c'est à toi, ça commence à s'arranger ici. Après, nous, on envisage de faire ça en deux roues parce que ça a toujours été ma passion. Puis, tu vois, tranquillement, tu fais plein de choses là. Félicitations pour mon premier contact local. C'est du 57-58. Impressionnant, mon bon Fred. Allez, je te laisse. T'es très sollicité partout. Hein. Je peux te dire que les vidéos ont circulé énormément. J'ai plein de retours positifs là, ok? Ouais, ok Michel, avec grand plaisir. Voilà, écoute, je t'envoie les bonnes amitiés, je te fais un petit tour du Mirador et puis je démonte. En plus, il y a un OM qui est en train de réparer une petite casa en contrebas qui est en train de filmer l'antenne. Je pense qu'à mon avis, les autorités vont pas tarder à débarquer. Voilà, je me fais pas plus long. 73, Michel, on se tient au courant. Je serai en fréquence tout à l'heure d'ici 1 heure ou 2 à l'extrême nord de l'île, au bord de la mer, la 73, parce qu'à mon avis, ça va débarquer là. Bye bye. Parce que c'était contrôle sur contrôle. Merci Fred, à bientôt. 73 Michel, à plus tard. 73 à tout le monde derrière. Bye bye. Ok, on va regarder ton petit point de vue là quand tu mettras ça sur la toile. À bientôt. Voilà, 73. Bon, je pense que je vais démonter l'antenne parce que ça va débarquer. Bon, le temps qu'il monte de la ville, je serai parti. Bon après, voilà, on s'arrangera, c'est pas un problème, mais bon, on va pas perdre de temps. On a petite vue depuis le Mirador avec Santa Cruz en bas. Pic du Teide, voilà, juste sur le Mirador. Le Pico del Inglés. Monsieur qui joue de la guitare là, c'est sympa. Et puis on va continuer la petite balade du jour. Voilà, 73 les amis. À très très bientôt. J'aurais bien passé la journée ici pour faire de la radio, hein. Franchement. Là le petit monsieur en bas là, à mon avis. Et peut-être pas très très content d'avoir une nouvelle antenne à côté de chez lui. Voilà, 73 tout le monde, bye bye.